dirait que ce jeune sage a 80 ans? Qui se souvient que le pays lui doit beaucoup? Il est né et vit à Boghen, sur cette terre bouraillaise imprégnée notamment du sang des transportés arabes, devenus colons par la force des choses. Sans mêler comme tant d'autres calédoniens, sa mémoire est aussi solide que le tronc des érythrines qui ombrage sa propriété. Entré en politique dès les années 50, il est aujourd'hui membre du comité des sages. Bonjour Jean-Pierre Haïfa. Vous êtes, depuis des années, une figure de l'autonomisme, du progressisme calédonien. Est-ce qu'aujourd'hui, après les événements, après les différents accords, vous ne vous dites pas qu'il y a un petit peu de vous et de votre philosophie dans tout ce qu'a connu la Calédonie? Il est vrai qu'aujourd'hui, on a évolué. Aujourd'hui, on est... L'autonomie interne, elle est acquise à 100%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a franchi, je dirais, le pas de voir autre chose que l'autonomie interne. La Calédonie, aujourd'hui, se gère, même ça va très loin, puisque les dernières dispositions institutionnelles de 1998 permettent de voter des lois de pays. Alors, il est vrai qu'il y a eu effectivement un travail de fait, parce que ça n'a pas été facile de faire comprendre, je dirais, et plus particulièrement, je pense, au tenant du pouvoir économique calédonien, que le pays pouvait être autonome. Même encore aujourd'hui, Nathalie, on entend dire que la Calédonie ne peut pas suffire à elle-même. Bon, moi, je regrette. La Calédonie a des potentialités qu'aucun territoire ou département d'outre-mer n'a. On a des potentialités de développement, on a une industrie métallurgique, donc on a un potentiel extraordinaire. Il y a eu là encore des étapes, il y a eu beaucoup d'étapes. Il y a eu l'étape du gouvernement collégial en 83 avec Jean-Marie Tjibaou. Donc là, on s'est fait énormément critiquer, la FNSC s'est fait énormément critiquer. Aujourd'hui, on en parle encore de la FNSC. Si la FNSC n'avait pas marqué les esprits des Calédoniens et des politiques... Pour resituer, la FNSC, c'était un parti centriste, on va dire, qui n'était pas indépendantiste, mais qui n'était pas non plus loyaliste au sens du RPCR de Jacques Lafleur. Ça dépend ce que vous voulez dire loyaliste. Moi, je suis un Calédonien loyaliste. Je suis loyal vis-à-vis du peuple calédonien. La FNSC, c'était un regroupement, je dirais, de Calédoniens. De Calédoniens qui voulaient que la Calédonie avance, qui voulaient que la Calédonie se fasse et qui avaient depuis longtemps compris qu'on ne pouvait pas faire sans les Kanaks. C'est ça, la FNSC. La FNSC... Quand on regarde la composition de la FNSC, on retrouve un gars, on retrouve Gaston Morlaix. Je dirais, Gaston Morlaix était la tête pensante. Il faisait partie des têtes pensantes, mais des grosses têtes pensantes. Il était gaulliste. Union démocratique, gaulliste. Ça n'empêche pas qu'on fait la FNSC avec Gaston Morlaix. On fait la FNSC avec Lionel Charrier. Lionel Charrier était le suppléant du sénateur Henri Lafleur. C'est comme ça qu'il a été sénateur au décès d'Henri Lafleur en 1974. Donc Lionel Charrier était un centriste pur. Et puis, de l'autre côté, il y avait tous les autres. Il y avait Louis-José Barbossan, il y avait Christian Boissery, il y avait Stanley Kamerlin, qui avait... Meyer, il y avait Maël Lobreau, il y avait différentes composantes de la classe sociale de calédonienne. Et puis il y avait le syndicaliste. Vous ? J'étais pas tout seul, il y avait Roland Caron aussi, qui était syndicaliste. Nous avons été élus ensemble, on sortait du syndicat. On sortait du SOINC. Donc on pourrait presque dire que là, c'était un peu... je dirais, la gauche progressiste de la FNSC.
D'ailleurs, on ne sait jamais. Mes adversaires politiques ne sont jamais cachés de dire que j'étais un pro-indépendantiste. Bon. Parce que je composais avec les Kanaks, parce que j'étais maire, parce que j'étais à l'association des maires de Nouvelle-Calédonie, et lorsque il y a eu une association française des maires, je n'ai pas été dans l'association française des maires, je suis resté dans l'association des maires de Nouvelle-Calédonie. Je suis calédonien, moi, avant d'être français. C'est ça la FNSC. Et la FNSC avait compris, peut-être trop tôt, qu'on ne pouvait pas continuer à laisser à l'écart les Kanaks du pouvoir. Il faut reprendre historiquement, les Kanaks ont le pouvoir politique, la majorité politique, jusqu'en 1971, voire jusqu'en 1977. Et ils perdent cette majorité politique à partir de l'immigration. Ils ne perdent pas la majorité politique parce qu'ils n'ont pas bien fait. Ils perdent la majorité politique à partir de l'immigration. Donc il fallait aussi comprendre ça et faire en sorte de remettre dans le circuit des responsabilités et des responsabilités décisionnelles, je dirais, le monde indépendantiste. C'est ce que nous avons fait et je pense que l'on n'a pas été compris. On n'a pas été compris, pas plus par, je dirais, la droite locale, que par la gauche française. Alors, je voudrais qu'on fasse un retour vraiment en arrière. Est-ce que le fait d'être descendant des Arabes qui sont venus ici au moment de la colonisation pénale à la suite des différentes révoltes en Algérie, vous descendez de cette colonisation, c'était au XIXe siècle, est-ce que ce passé familial, il a pu influencer votre façon de voir les choses ? Oh, mais certainement, avec le passé à cette période, on le connaissait mal. Mais certainement qu'au fond de nous-mêmes, il y avait quelques, je dirais, restes ou quelques reliquats de ce passé colonial. Ne pas surtout, oublier que nos parents, nos grands-parents, enfin, moi, du côté maternel, mon grand-père est arrivé ici en 1867, condamné de la région d'Oran, de Mostaganem. Il est arrivé ici en 1867. Il s'est marié avec une fille de gardien de prison, une réunionnaise, donc ma mère a, je dirais, sans de déportés, sans d'esclaves. Et de l'autre côté, mon père, déporté en 1897, lui déporté de la région Est, donc la petite Kabylie, Sétif, donc déporté, et était un sujet. Il était né dans une tribu. Parce que ça, c'est un élément que l'on ne prend jamais forcément en considération, c'est que le système colonial algérien, le système colonial en Nouvelle-Calédonie, a été quasiment, je dirais, copie conforme. Les Algériens étaient cantonnés dans des tribus, puisqu'il fallait récupérer les terres pour les colons. Les Kanaks, ici, ont été cantonnés dans un système tribal, parce qu'il fallait trouver aussi des terres pour la colonisation. Donc, il y a d'énormes ressemblances. Mon père est mort en 1945. Il était un sujet. Il n'était pas citoyen. Il n'était pas citoyen. S'il avait été citoyen français, à la fin de sa peine, en 1922-23, il aurait eu la possibilité de rentrer chez lui. Ou de faire venir, sa femme, ses enfants. Ce qui n'a pas été le cas, puisque de toute façon, il était algérien. Donc, effectivement, peut-être quelque part ayant eu les mêmes statuts avec les Kanaks jusqu'à l'abolition d'indigénat en 1946, peut-être qu'effectivement il y a eu, des sensibilités qui ont fait que... Bon. Et puis, la grande sensibilité, c'est que je suis né à Bouraille, à Bouguen, et on était à proximité des tribus, et on savait déjà partager, on allait sur les...
les bancs d'école à Beaugaine, on était avec les Kanaks, et ensuite, rentrant à Bouraille après le décès de mon père, qui est mort en 1945, mais ma mère a dû abandonner la propriété familiale pour venir travailler sur le village en 1949, eh bien, on a côtoyé les Kanaks parce qu'on était à l'école des pauvres. Hein. L'école des pauvres, c'était l'école privée, école catholique. C'est pour cela qu'à l'état civil, moi, je n'ai pas de prénom Jean-Pierre. Mais pour aller à l'école privée, il fallait avoir un prénom chrétien. C'était dur, hein ? Vous imaginez, vous, aujourd'hui, demander à un enfant de porter un prénom chrétien pour pouvoir aller à l'école ? Ben ça, c'était l'époque, c'est 1949. Hein. Ça paraît loin. Non, c'est pas si vieux. Voilà. Donc, certainement que cette proximité, puis au syndicat, avec les syndicats, il faut quand même aussi rappeler qu'en 1956, il y a cette grande grève qui, se fait pour la parité des salaires. 1956, le Vietnamien, le Javanais, le Kanak n'avaient pas le même salaire que l'Européen, ou le Blanc, on va dire, entre guillemets, qui travaillait dans les entreprises, et plus particulièrement en société nickel. Donc cette grève, elle est menée par qui ? Par des Européens, pour abolir justement ces salaires différents, je dirais, des autres composantes des travailleurs. Mais soutenu par qui ? Soutenu par les Kanaks. Puisque l'Union calédonienne était majoritaire, c'est toutes les avancées sociales qui ont été obtenues dans ces territoires, elles ont été faites à partir de grèves, et à chaque fois, nous étions soutenus politiquement par l'Union calédonienne. La CAFRA en 1957, la maladie en 1959, la longue maladie dont on parle beaucoup aujourd'hui, en 1961, la retraite des vieux travailleurs, en 1964, le Fonds social d'habitat. Tout ça, c'était soutenu par l'Union calédonienne. On parle de l'hydraulique, on parle du barrage de Yaté. Qui est-ce qui fait monter une société d'économie sur la Nouvelle-Calédonie ? C'est l'Union calédonienne, par la voix du député à l'époque, le Normand. Qui constitue l'OCEF ? L'Office de commercialisation d'entreposage frigorifique. C'est, je dirais, quelque chose qui a été fait par l'Union canadienne, avec une majorité kanak. C'est pour cela que je dis toujours aux kanaks, vous n'êtes pas capable de mettre en valeur tout ce que vous avez apporté antérieurement à la revendication de l'indépendance dans le pays. Alors, on va revenir maintenant sur la politique. Avant les événements, en 1983, il y a Nainville-les-Roches. Je rappelle qu'à cette époque, vous êtes au pouvoir, vous êtes avec la FNSC, et les indépendantistes dans le gouvernement, dans ceux qui nous gouvernent, on va dire, en Nouvelle-Calédonie. Cette réunion de Nainville-les-Roches, elle doit notamment instaurer un nouveau statut pour la Nouvelle-Calédonie. Par la suite, elle a été très controversée. Est-ce que, selon vous, aujourd'hui, vous diriez, avec le recul, que ça a été un acte fondateur, Nainville-les-Roches ? Alors, moi, je ne dis pas que c'est Nainville-les-Roches l'acte fondateur. C'est le gouvernement. Le gouvernement collégial de Tchibaou. Parce que on ne le dit pas, ou on oublie de le dire, ou on fait en sorte de se cacher, de ne pas le dire. Je suis les interviews de certaines personnalités politiques. On ne dit jamais que le gouvernement Tchibaou, il était composé aussi de gens du RPCR. Henri Ouetta. Henri Ouetta, il est mort RPCR. Il n'est pas mort indépendantiste. Et c'était le beau-frère de Jean-Marie Tchibaou. Il faut quand même savoir et dire les choses comme elles doivent être dites, parce que souvent, on raconte l'histoire politique ici à sa façon, et surtout la façon qui peut être intéressante pour la personne qui la raconte. La veille au soir, avec Louis-José Barbançon, nous sommes sortis à 10h30 ou 11h du soir avec toute l'équipe de Jacques Lafleur pour avoir Henri Ouetta et Dick Ukewe. Cette réunion, elle s'est prolongée dans la nuit. Ça, on est à Nainville-les-Roches, là.
Non, non, mais c'est le gouvernement de Chibaou. Oui, mais on va arriver à Naville-les-Roches. On va y arriver. Et jusqu'à 2 heures du matin, il y a une discussion avec Henri Ouetta, qui avait la conjonctivite, qui était couché dans un coin, chez Gabi Brio. Je dis où ? Au-dessus d'Orphelinat, il avait un appartement. Paraguay Rebas, Victorin Boeva, et donc la discussion sur l'intérêt que dit Kukewe vienne dans le gouvernement sans en être le président. Qu'est-ce que revendiquait Jacques Lafleur ? C'était la présidence du gouvernement pour Dick Kukewe. Proportionnellement, le parti qui représentait le plus d'élus, c'était le Front indépendantiste. Donc il était tout à fait normal que la vice-présidente du gouvernement revienne à Jean-Marie Tjibaou. C'était notre position. Et donc le matin, Dick Kukewe, défection de Dick Kukewe, c'est comme cela que on retrouve Henri Ouetta. Henri Ouetta ayant donné sa parole, malgré la pression qui est faite par le RPCR, il ne lâche pas, j'ai donné ma parole. En présence de Gaston Morlaix, de Louis-Joseph Barbançon, il a donné sa parole. Donc c'est comme ça qu'on a un gouvernement collégial. À partir de ce gouvernement collégial, Georges Lemoine a la bonne idée, il dit bien bonne idée, uniquement la bonne idée, hein, de réunir tous les partis politiques à Naville-les-Roches, cette grande messe de Naville-les-Roches. Et là, encore, les indépendantistes, lorsqu'ils arrivent, c'était le Front indépendantiste, il n'y avait pas de FNLKS. Le Front indépendantiste, lorsqu'il arrive à Naville-les-Roches, il était sur « seuls les Kanaks doivent voter ».« Seuls les Kanaks doivent voter ». Et après les discussions de Naville-les-Roches, on arrive à un compromis où Jean-Marie Tjibaou et son équipe reconnaissent les victimes de l'histoire. Il dit bien les victimes de l'histoire. Et c'est sur ce point-là que Jacques Lafleur n'a pas voulu céder, sur les victimes de l'histoire. Parce que lui estimait qu'il n'était pas une victime de l'histoire. Je comprends, moi, que le Français, ayant été condamné par un tribunal dans son pays, et étant citoyen français de la nation française, puisse dire « moi, je ne suis pas une victime de l'histoire ». Tout le reste, nous étions des victimes de l'histoire. Nous avons été condamnés, nos parents ont été condamnés, nos grands-parents ont été condamnés par des tribunaux spéciaux, tribunaux de Colombe, tribunaux militaires. Donc c'était là les victimes de l'histoire. Les victimes de l'histoire sont les enfants de Japonais. Les victimes de l'histoire sont les Vietnamiens qui sont venus travailler en Nouvelle-Calédonie, je dirais comme main-d'œuvre, un peu comme esclaves, hein, parce que c'était l'époque où les Indonésiens et autres. Donc c'était pour nous, c'était ça le sens de victimes de l'histoire. Donc on capote. Ça capote, et simplement que Georges Lemoine apporte beaucoup plus d'intérêt au RPCR qu'il n'en apporte à Roque Pigeot. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que Roque Pigeot, qui était au MRP, en 1980, rentre dans le groupe socialiste. En 1980, il rentre au groupe socialiste. Et qu'il était au groupe socialiste quand il fait plus de 100 amendements, plus d'une centaine d'amendements qu'il avait préparé, dont on avait, nous, travaillé avec aussi, sur les amendements, et tous ces amendements sont refusés. Un camouflet pour le Front indépendantiste, qui explique le boycott actif des élections de 1984 et la création du FNLKS. Parce que c'est pas venu comme ça. Roque Pigeot, qui est à l'époque député. Et Roque Pigeot était à l'époque député. Député. Alors justement, les événements de 84, est-ce que vous pensez qu'on aurait pu les éviter ? Mais bien sûr qu'on aurait pu les éviter. Pu les éviter dans la mesure où les socialistes ne courent pas après, je dirais, l'adhésion du RPCR. Ça, c'était voué à l'échec. Du côté de la droite calédonienne, on comprenne qu'il y avait un peuple qui revendiquait une identité, qui revendiquait sa culture. Parce que le fait de la revendication de l'indépendance était au départ basé sur deux choses. La terre, donc l'office foncier avait été mis en place
En 1979, c'est ce qu'on appelait la loi Dijoux, la réforme foncière Dijoux, qui est passée, je dirais, au forceps à l'Assemblée territoriale, avec une occupation de l'Assemblée territoriale, avec, je dirais, des heurts. Des heurts par les Européens. Hein. Donc il y avait eu une réponse partielle à la revendication kanak. Et puis, la grande revendication des kanaks, c'était la reconnaissance de leur culture. Qui a donc faisait suite au festival de, que Jean-Marie Djebaou avait organisé en 1975. Hein. Voilà. Oui. Jean-Pierre Haïfa, pendant ces fameux événements, il se passe un événement majeur à Bouraille, c'est l'incendie du magasin Courtauld par, dit-on à l'époque, les indépendantistes. Comment est-ce que Bouraille réagit? Comment vous, maire de Bouraille, vous réagissez? Parlez-nous de cet épisode tragique. Eh bien, écoutez, cet épisode sur Bouraille, c'est l'épisode le plus tragique qu'on ait connu. On a connu les blocages, on a connu les barrages, on a connu les interdictions aux Kanaks d'être dans le village. Donc, quand il y a cet épisode, pour moi, il est clair que les enquêtes n'ont pas été jusqu'au bout, parce qu'il existait dans le village. Il n'y avait plus qu'un Kanak qui était dans le village. C'était mon premier adjoint, Yassine Théuet, qui était autorisé encore à rester dans le village. Donc, pour nous, il n'y a pas l'ombre d'un doute que c'est une opération qui a été montée par... à l'époque, il y avait quand même les mercenaires qui étaient là, que ce soit pour ici, que ce soit pour le camp des Sapins à Thiot. Le camp des Sapins, c'est pas les Kanaks qui ont brûlé le camp des Sapins, au même titre que le magasin Courtauld de Bouraille, qui était le magasin des Kanaks. C'est pas eux qui allaient brûler le magasin. Mais il y a eu quand même trois morts. Il y a eu la gérante du magasin, Aldo Goyetch, et puis un militaire, Monsieur Comte. Et puis il y a eu des blessés graves. Donc là encore, sur cette opération, tout le monde a été traumatisé. Et ceux qui ont été dans les événements, ils n'ont plus envie de les revoir. Ils n'ont plus envie de les revoir. Et c'était facile de faire tomber l'incendie du magasin Courtauld sur les Kanaks, mais tout le monde sait très bien qu'à l'époque, il y avait un mercenaire dans le coin qui entraînait des milices pour renforcer, la gendarmerie, l'armée et autres. Alors, ce sont des affaires qui sont tombées, hein, parce que de toute façon, la loi d'amnistie sur les crimes de sang, sur les délits financiers, ça a été voté, donc on n'en a plus entendu parler. Et il y avait eu, à cette époque, il y avait une très grande complicité de certains gendarmes pour, aider... ce qu'on appelait vulgairement les loyalistes. Hein. Mais on en a souffert. Hein. Mais on a réussi, il ne faut quand même pas perdre de vue qu'on a resté plusieurs mois sans ramassage scolaire, sans école, les écoles fermées. Ça, nous, on l'a vécu. Et on ne veut plus le revivre. Quels étaient vos rapports à l'époque avec Jacques Lafleur et Jean-Marie Djebaou? Eh bien... Mais les rapports avec Jean-Marie Djebaou, ils étaient, très bons. Puisque, de toute façon, avec Jean-Marie Djebaou, moi j'ai connu Jean-Marie Djebaou quand il revient et qu'il lance le festival mélanésien. Il ne faut quand même pas perdre de vue que c'est avec Henri Leleu qu'on lui trouve un local, donc l'ancienne éducation de base. C'est avec Henri Leleu, c'est Henri Leleu qui lui propose un secrétaire général de Mélanésia à l'époque, Mélanésia 2000, qui s'appelait Yves Tissandier. On le voit d'ailleurs tout jeune, Yves Tissandier, il était le secrétaire général. Donc Djebaou, avant il était curé, quand il était curé, moi je connaissais en tant que non curé, mais je connaissais surtout le père de Jean-Marie Djebaou, qui était responsable de la section de base de Yangen, donc de Tiedanit, donc Tivan, c'est ça. Donc le père de Jean-Marie. Donc Jean-Marie, il y a ça. Et puis Jean-Marie, en 1977, il est candidat aux élections municipales. Il n'est pas candidat aux élections municipales sur une liste avec le titre Union Calédonienne. Moi, je suis
aux élections municipales à Bouraille avec le titre Union calédonienne en 1977. Jean-Marie Tjibaou, donc à partir de là, on se connaît, on se côtoie, et puis, bon, voilà, on s'apprécie. On travaille ensemble en tant que maire, on travaille à l'association des maires, et ne pas perdre de vue qu'en 1983, il est président de l'association des maires. Ce qui n'est pas accepté par les maires, entre guillemets, entre parenthèses, loyalistes. Et c'est au passage de Léotard qu'à La Roche-Percée, il décide de faire une association française des maires. Mais moi, je suis toujours resté dans l'association des maires de Nouvelle-Calédonie. Et donc, vos rapports avec Jean-Marie Tjibaou étaient bons? Est-ce qu'on peut en dire autant de vos rapports avec Jacques Lafleur? Alors, les rapports avec Jacques Lafleur, je crois qu'ils n'étaient pas forcément bons, puisque de toute façon, on me traitait de tous les noms. Et puis, vous savez, un blanc travaillant avec les Kanaks, c'était pour eux inacceptable. Mais ils ont toujours été profondément respectueux. Moi, je ne peux pas dire que Jacques Lafleur, un jour, en dehors, je dirais, des journaux, mais ce n'est pas lui qui les écrivait, les journaux, Nathalie Delay, vous le savez très bien, que, certains écrits, que Jacques Lafleur n'avait certainement pas donné son aval. Mais mes relations avec Jacques Lafleur étaient des relations, je dirais, d'opposants, mais respectueux. Est-ce qu'à la mort de Jean-Marie Tjibaou, quand vous apprenez son assassinat, est-ce que vous craignez que le processus de paix engagé puisse tomber? Le processus de paix, il prenait un coup parce que il n'y avait pas de leader charismatique. Jean-Marie Tjibaou était un leader charismatique, comme Jacques Lafleur. Aujourd'hui, Jacques Lafleur existant, Jean-Marie Tjibaou existant, on n'aurait pas toute cette cacophonie. Hein. Je pense que tout le monde serait rentré dans le rang, surtout du côté de la droite. Donc, il y a quand même une grande inquiétude, parce que la disparition de Jean-Marie Tjibaou et Didier Ouéné, c'était quand même les deux leaders indépendantistes forts. La relève n'était pas facile. Pour cause, la relève n'était pas facile parce que ces deux leaders étaient Union calédonienne et les leaders, je dirais, à cette époque, eh bien, c'était plutôt du côté du Palika qu'on les trouvait. Les leaders politiques, j'entends bien, hein, les hommes politiques. Et il a fallu faire, avec Léopold Jouridi, avec François Burk. Quel a été le résultat? C'est quoi le résultat? C'est qu'à un moment donné, Jacques Lafleur réussit à les accrocher avec la FCCI et donc à les avoir avec lui pour faire la majorité à l'Assemblée territoriale. Pas faire la majorité en province, mais faire la majorité à l'Assemblée territoriale. Après les accords de Matignon, on s'engage donc dans la mise en place des nouvelles institutions pour la Nouvelle-Calédonie, etc. Avant d'arriver aux accords de Nouméa, Jacques Lafleur propose la solution consensuelle. Comment vous, à l'époque, vous analysez ça? Quel est votre avis sur cette proposition finalement adoptée? On pourrait là presque parler de la méthode Rocard. Rocard, lorsque il fait signer, il trouve l'accord avec Tjibaou et Lafleur, Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur, pour les accords de Matignon. Je ne pense pas que Rocard était dupe à penser qu'en 10 ans, on allait pouvoir rattraper les 30 ans ou 40 ans de retard que l'on avait dans le cas du rééquilibrage. La proposition de Jacques Lafleur a été intelligente. Il a été intelligent de dire on se passe d'un référendum en 98 et on part sur une nouvelle ère. Et c'est une nouvelle ère, mais une nouvelle ère avec quand même des points forts, parce qu'il y a dans cette nouvelle ère, il y a quand même une définition à travers la déclaration concernant le peuple kanak, le préambule, parce que ça, le préambule. Quelques personnes
dans l'environnement de Jacques Lafleur, l'avait certainement lu avant que l'on vote sur ce préambule. Ce préambule, on a voté dessus. Là encore, Nathalie, il faut quand même reprendre les résultats des élections. Il y a eu des gens qui étaient contre le préambule. Et il faut regarder le résultat. Qui est-ce qui apporte les voix pour que ce référendum passe avec 70% de oui? Pour l'accord de Nouméa. Pour l'accord de Nouméa. Et là, c'était une élection locale. Hein. Elle était locale. Donc, ce préambule, il a quand même permis, je dirais, aux Kanaks de dire on est sorti de l'ère des accords de Matignon pour entrer dans l'ère accord de Nouméa. Et aujourd'hui, on est au bout, je dirais, de la démarche, puisqu'on a passé 20 ans. Et ça a vite passé, c'est-à-dire que des accords de Matignon à aujourd'hui, 30 ans, on a l'impression que ça a trop vite passé. Mais ça n'empêche pas que la période de l'accord de Matignon, la période de la poignée de main, il y a des choses qui ont évolué, mais il ne faut pas qu'on oublie le pourquoi de la poignée de main. Dans quelle situation on était en 88? Parce que l'impression que j'ai, c'est qu'il y a des gens aujourd'hui qui utilisent le discours. Enfin, c'est pas l'impression. La réalité des gens, dans leur discours, dans leurs déclarations, utilisent les mêmes termes qu'on pouvait entendre dans la bouche de certains hommes politiques en 1983, 1984, 1985. L'histoire peut bégayer, selon vous ? On n'a pas le droit, aujourd'hui, de prendre des risques sur la paix. On n'a pas le droit de prendre des risques. On n'a pas le droit de ne pas penser à chaque instant que cette poignée de main entre Jean-Marie Tjibaou, un homme de paix, Jacques Lafleur, un homme de guerre, a fait que la Calédonie a été en paix civile pendant 30 ans. Oublier ça, c'est trahir. C'est trahir la poignée de main. C'est aussi prendre un risque important pour l'avenir. Parce que je ne pense pas qu'il y ait à nouveau des conditions qui ont été celles que Rocard a mises pour obtenir cette poignée de main. À ce moment-là, il y avait du côté des loyalistes un homme, je dirais tout puissant, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il était tout puissant. Et c'est important, au même titre que lorsque Jean-Marie Tjibaou a été assassiné, eh bien, de ce côté-là, il y a eu un vide. Il y a eu un vide. Et ce vide n'a jamais été comblé, puisque au niveau du FNLKS, n'a jamais réussi à réélire, après le passage de Paul Néotin, de réélire un président du FNLKS. Ça veut bien dire qu'il y a un problème. Donc, il faut non plus ne pas jouer avec le feu. Il ne faut pas que les nouvelles générations pensent qu'on démarre là du 4 novembre. Non. Il y a eu toute une démarche de revendication d'indépendantistes. Il y a eu des réponses apportées. Il y a eu des réponses apportées à la reconnaissance identitaire kanak, à l'identité kanak. Il y a eu des outils mis en place qui répondent aux aspirations et aux revendications des indépendantistes. Tout ça, on a avancé. Aujourd'hui, il ne faudrait pas, je dirais, pour quelques-uns, se faire plaisir ou se donner une importance et un nom, gâcher tout ce travail qui a été fait antérieurement.
Jean-Pierre Haïfa, merci de nous avoir accueillis chez vous, ici à Bourail, dans cette magnifique propriété. Merci d'avoir partagé avec nous, tous vos souvenirs et toutes vos impressions et vos sentiments sur cette époque. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve dans un mois.